Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2 évidemment. Et on a repris Miles Morales, on est parti pour la suite de notre aventure principale. Let's fucking go, n'oubliez pas le j'aime et le commentaires. Ça va être exceptionnel, je le sens, je le sais et j'y crois très très fort évidemment. 4K 60 FPS, plongez-vous dans le noir et régalez-vous, parce que si vous vous régalez, bah moi ça me régale, sachez-le. Allez, on est parti, on a déjà fait 1000 mètres, comme quoi ça va très très vite. Oh, une pierre pour ajouter peut-être une pierre à l'édifice, il va falloir qu'on le fasse, évidemment, et un Crims. Ah, oh, vous savez qu'on commence toujours par un crime ou une petite quête secondaire à chaque fois. Un cristal de mémoire de Marco. Donc je pense qu'on va se le... On va se le faire en fait tout ça les gars, hein. Allez, on est pro. D'accord. Hop. Un peu d'exercice me fera du bien. Allez. Hop, ça c'est fait. Tout ce que je veux, c'est le cristal. Ah, ça repousse vraiment tout le monde en fait, ça c'est cool. C'est tout doux. Ok. Waouh, tiens, dans ta gueule, voilà. Allez. Oh, là, tout va vite, hein. Je suis sûr qu'ils m'ont laissé un petit cadeau. On a eu chaud. J'ai cru que j'allais glisser. Allez, c'est parti. Je leur ai demandé ce qu'ils me voulaient et ils ont répondu. La bête qui sommeille en toi. Mais elle s'est pas réveillée depuis très très longtemps. Comme je te l'avais promis. Marco avait changé de vie pour sa famille. Et tout ce que voulait Kraven, c'était rayer l'homme sable de sa liste. N'en dis pas plus, je vois totalement ce qui est en train de se passer là. On est où? Oh la vache, le monde de pierres qu'il y a là-dedans. On va évidemment tous les faire, hein, vous vous en doutez bien, mais. Mais comme eux-mêmes, hein, il y en a beaucoup, hein. On a beaucoup, beaucoup. Ok, comment on peut faire pour y aller de manière pas trop reculée. Bah on va commencer par deux pierres, vous savez quoi. Voilà. Superbe ça. Allez. Un petit peu de play juice. Alors c'est qui le chef de la bande? Toi, ça dégage. Ok, ça c'est parfait. Waouh, j'ai pris un coup là. J'ai pris un coup. Donnez-moi ce cristal de sable et je vous laisse tranquille. J'ai pris un coup, c'est pas possible. Je suis votre salope les gars ou... Allez, ça dégage. Ça c'est pas si difficile à faire. Hop, on prend. Bon, allez. Je leur ai pourtant demandé de nous laisser tranquilles, mais ils sont moqués. Ils m'ont capturé avec un filet, et ensuite, ils ont essayé de m'enfermer. Il n'a fallu que quelques secondes pour que je me transforme en sable. J'ai bon. J'ai tellement honte, mais je n'avais pas d'autre choix. Je dois revenir te chercher. Si Marco n'avait rien fait. Il aurait eu le même destin que Scorpion. On dirait bien que des chasseurs montent la garde. C'était censé prendre 10 secondes. Ok. Quand on veut monter un avant-poste invisible, c'est mieux que le camouflage fonctionne. Ça, c'est parfait. Allez, toi, tu dégages. Tu me racontes ta vie là-bas. Monstrueux. Je fais pas exprès, je pense, d'être aussi monstrueux, mais je le suis. Allez, toi, tu dégages. Oh là là! Incroyable tout ce que j'ai lancé là. Hein. Ok. Incroyable tout ce que j'ai fait, réel. Hein. Réel, parce que je pense que New York s'en souviendra. Hein. Qu'est-ce que c'est ?
un ennemi, les gars, mais il est où? Il est où? Oh, le con! Qu'est-ce que tu prends là, toi? Ah ouais, mais t'es malade! Allez! On est parti! Eh ben, écoutez, on va récupérer tout simplement Peter. Et on peut pas. Je vois où est le problème. Eh ben écoutez, on va récupérer Peter là-bas. C'est pas grave. Allez, let's go. Ok. Ça, c'est fait, ça. On va voir ce que ce truc peut faire d'autre. Qu'est-ce que tu fais? De la science, mon gars. Je fais de la science. Alors, Spider-Man, tu l'as dit à MJ, mais pas à ton meilleur pote. Non, mais c'était pour te protéger. Je voulais te le dire, mais... Ouais. Je comprends. Et le jeune que tu encadres, c'est lui, le deuxième? Il s'est passé plein de trucs pendant ton absence. Crois-moi, je le sais. J'y vais en douceur. Oups. Ah ouais. Je vais faire du café. Je sens que la nuit va être longue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a fait des expériences. Où est le docteur Connors? Il a dû prendre un jour de congé? Non. Il ne prend jamais de congé. Bon, je vais y aller. Hein. Ouais. Ouais, je te rappelle. Allez. J'ai besoin de me poser. Harry a des super-pouvoirs. Terminé. Tout s'est enchaîné tellement vite. C'est quoi ça? Dites, je capte un signal de Spider-Bot bizarre. Ah, toi aussi? Ganky, c'est toi qui fais des tests? J'allais justement vous appeler. Il y en a plusieurs qui sont apparus sur le réseau d'un seul coup. Ils utilisent des protocoles de communication que je connais pas. Je vais voir et je vous dirai ce que ça donne. Le jeu est si beau. Ok, allez, c'est parti. Attention, il y a une photo. Ah ouais, ouais, bah je suis comme ça, moi je dérive très vite de trajectoire. Ok. Où est la photo? Soyez prudents, les gonds ne sont pas dispensés aux urgences. Bien, bien. Et ben voilà. Est-ce que c'est une bonne photo, Spider-Man? Les Spider-Man ne sont pas les seuls super-héros de New York. Réussir à avoir tous ses élèves à l'heure en classe, ça c'est un vrai super-pouvoir. Ok, on est reparti. Bougez pas parce que mine de rien, on fait pas mal de missions. Alors, où est-ce qu'on peut faire un voyage rapide? On peut faire un voyage rapide, si je ne m'abuse. Eh ben, nulle part. Mais comment ça? Comment ça? Ah ouais? Bizarre, hein?
bizarre. Bon, c'est pas grave. On verra, c'est peut-être parce qu'on est à côté d'une mission, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pas mal. Je mets les infos sur le speeder serveur. Ça marche. J'essaierai de voir si j'en trouve. Envoyez-moi les données que vous récupérez. J'essaierai de remonter à la source. Bon. Est-ce que ça serait peut-être pas le moment? Salut Peter. Ouais, MJ. On a passé la nuit à faire des tests sur la tenue d'Harry. Et on a peut-être abusé sur la pizza. Mais c'était vraiment cool. Comme au bon vieux temps, quoi. Alors dis-moi, je suis curieuse. C'est quoi l'araignée radioactive d'Harry? Je te jure, j'avais jamais rien vu de pareil. Il s'agit d'un genre de combinaison qui éradique complètement les traces de sa maladie. Le docteur Connors s'est vraiment surpassé cette fois. C'est incroyable. Et le timing est parfait, vu ce qui s'est passé au parc. Une idée de là où ils ont pu emmener Tombstone? Pas encore. Mais si j'apprends quoi que ce soit, je t'appelle. Ah, t'es trop forte! Ouais, je sais. Ok, et maintenant? Et bah maintenant, on va se balader et essayer... J'ai toujours pas découvert qui est derrière cet étrange Spider-Bot. ...de faire quelques creams. Ok. On a quelque chose en face. Après, je peux faire une vieille connaissance en vrai, ça peut être cool. Ah, on a une photo à faire, ça c'est superbe. Ça me plaît, ça. Hop, c'est superbe, un accident. Et il a dit c'est parfait, hein. Tu sais, pour une ville où personne ne se prive de te dire que tu as tort... Ok, attends, ferme-la. Je crois qu'il y a eu erreur. La plage, c'est pas là-bas. Okay. Normalement, le sable, c'est réservé. C'est pas mal là, on s'en sort plutôt plage. Pas trop mal, hein. Ça va que c'est assez facile. Et apparemment, ça débloque une. Waouh! Une. Comment on appelle ça? Une cinématique bonus. Là, je suis très content par contre. Maintenant, on a deux barres et ça, c'est vraiment cool. Allez. Et ben voilà. Ça, on prend, on lui brise la gueule. C'est pour P. Enfin. J'ai réussi à ouvrir ce cristal tranquillement. Pour venir à la maison. Et je passe la porte. Mais tu n'es plus là. Mais eux, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Makimia? Utiliser la fille de Marco de cette façon. Craven a vraiment un problème. Il faut que je trouve d'autres cristaux pour en savoir plus. Marco retrouve la mémoire et il est plutôt nerveux. Les docteurs font en sorte de reconstituer les événements. Apparemment, tout n'est pas entièrement sa faute. Je tâcherai de te tenir au courant. Encore un cristal? Incroyable. Vraiment là? Un cristal de sable? Il y en a vraiment partout? C'est un truc de fou. Ce à quoi je pensais. C'est quoi l'embrouille là? Mais sans déconner! Vous êtes combien? Ok. Laisse te vous protéger! Ok, j'ai pris un petit coup, rien de grave. Ok. C'est moi ou j'ai une sorte d'explosion les gars quand j'ai utilisé ma toile là. Très bien. Et vous? Allez, ça dégage. Ok. Reprenons le cours normal des opérations. Je sais pas il y a combien de pierres, mais il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. Au moins une par quartier minimum. Je commence à hurler et je perds vite mon sang-froid. Si j'apprends qu'ils t'ont fait quelque chose, je sens déjà le sable reprendre le dessus. Mais ils m'aspergent avec un produit chimique. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je fais tout mon possible pour rester éveillé. Tous
s'estompe rapidement. Ça, les clébards, il faut que ça tombe vite. Parce que c'est infernal. Aïe! Oh, Miles! Waouh! Et ben voilà, merci mon frère. Merci du coup de main. J'essaie juste d'être à ton niveau. Allez, ça dégage. Bon. Plutôt pas trop mal. Waouh. Ok. Coucou les araignées, j'ai quelque chose pour vous. Rendez-vous à cette adresse. Félicia. Oh, ouais, elle est revenue, elle. J'ai entendu parler de la fonderie Steel à Williamsburg sur une fréquence radio des chasseurs que j'ai piratée. Tombstone doit se trouver là-bas. On a vieille connaissance et Little Tokyo. Il aurait besoin de vous. Merci. Content que t'ailles bien. Est-ce que t'es bien arrivé à Paris? Ouais, nickel. Je me suis dit que je voudrais bien ça, à tous les deux. Même si, apparemment, l'autre Spider-Man n'a pas daigné faire le déplacement. Ouais, justement. T'as pas à te justifier, t'inquiète. On est passé à autre chose. Au fait, sympa, ton pote. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'info. Je crois pas que je serais capable de trouver Tombstone à temps sans ton aide. Ouais, merci. Prends bien soin de toi. Je crois que ces fêlés de la Fashion Week ne viendront plus me chercher des ennuis. À plus, les araignées. Miles, je vais m'en occuper. Tu risques d'être en retard pour rendre ton essai. Mais, et si... Si je trouve Martin Lee, je m'occuperai de lui. Spider-Man peut attendre. Mais pas Miles. Ok. Mais, on reste en contact. T'inquiète, mon pote. Allez, vieille connaissance, on est parti. À part la dernière. Non, l'équipe de démolition est dedans. Ils sont quatre. Je vais les retrouver. N'éteignez pas vos radios. Et que personne ne touche à ce détonateur. Spider-Bot est plus rapide que moi pour les recherches. Oh! Ça fait super longtemps qu'on n'avait pas utilisé ça. On peut compter sur toi. Ok. Ok, ok. Ok. Je trouve les démolisseurs. Clark les fait sortir. Tellement longtemps. Il y a quelqu'un! Au secours! Ok, yo mon pote. C'est un robot? Salut, c'est Spider-Man. Je viens d'indiquer votre position aux pompiers. Ils seront là d'une minute à l'autre. Vous allez vous en sortir. Spider-Man. Merci. Capitaine Clark, vous avez reçu la position que j'ai envoyée? Notre équipe est en route. Merci. Spider-Man aussi. Ah je me suis chié dessus. J'ai voulu rester deal, mais je me suis un peu chié dessus. Ok. Un autre survivant là-bas. C'est l'occasion rêvée de tester mon Spider Shock. Très bien. Assez efficace, ma foi. Ok, j'arrive, mon pote. Y'a quelqu'un? Je suis coincé! Au secours! Tenez bon, je vais vous tirer de là. Ok. Merci. Du secours arrive. Les pompiers savent où vous êtes. Il n'y en a pas pour longtemps. Ça se passe. Merci. Merci beaucoup. Okay. Capitaine Clark, vous devriez recevoir une nouvelle position. On vient de la recevoir. On y va dès qu'on aura sorti Monsieur Robleski des décombres. C'était quoi déjà? Ok, très bien. Bon. Y'a quelqu'un? J'arrive, mon pote. Je crois qu'elle est cassée. C'est, bougez pas. Ok. Les pompiers sont en route. Essayez de pas trop bouger. Ils vont vous tirer de là. Ok. Merci, Spider-Man. Je vais devoir monter, on dirait. C'est le moment de tester mon dernier ajout en conditions réelles. Si mon assurance m'indemnise pas, bah, ils vont m'attendre. Ah oui, d'accord.
Ok, permet à ses propulseurs lorsque l'alimentation est arrivée. Capitaine Clark, vous savez la nouvelle position que je vous ai envoyée? On est en route. Il n'y a plus qu'un ouvrier coincé à l'intérieur. Vite, Superman. Très bien, j'ai compris. Ça va, c'est des missions assez sympas, voilà, y a rien de fou. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est canard. Mais c'est ok, quoi. C'est ok, c'est ok. Et ça permet justement de faire un petit peu autre chose. Voilà. Les pompiers arrivent bientôt. Très bien. Vous allez bien? Ça va. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre là-bas, il y a quelques minutes. C'est pas vrai. Avec une bête squelette. Faut que t'ailles à son secours. Clark, je vous ai envoyé une nouvelle position. Et un type m'a dit qu'il y avait encore quelqu'un coincé par là. Vraiment? Pourtant, il ne manque plus personne. Mais si vous le trouvez, on le sortira de là. Ça marche. Ouais, faut le prouver, les gars. Hein. Et je suis un super-héros. Hein. Ok. Évidemment. Pourquoi voler quand il y a des portes? Oh waouh. Va falloir manœuvrer un peu. Alors attends. Ok, donc je suppose que c'est par là. Très bien. Dites-vous que là, Peter Parker, les gars, il est sur sa Game Boy, en train de diriger le merdier. Oh, waouh. Ok. Allez. C'est quoi ce merdier? C'est les adeptes de la flamme, on les a déjà battus, hein. On les croise plein de fois, ils font des petits crimes en ville. Attends un peu. Je les ai déjà affrontés, hein. Eh oui. Ouais, c'est ça, ce sont pas les adeptes à parler. Et alors, pour l'intrigue qui traîne dans les parages. Il pourra pas tous nous arrêter. Continue de chercher du matériel. On va en avoir besoin dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai rien raconté à la police. J'ai jamais parlé de la flamme. Je le jure. Je voulais juste m'en aller. Alors tu aurais dû te souvenir qu'on s'en va tous de la même manière qu'on est arrivé. Dans la douleur. Quoi? Ok. Une prophétie? Ah, c'est toujours aisé d'être dans une prophétie. Par contre, je suis pas trop fan du surnom. Putain, lui, il est balèze, hein. Allez, c'est ça, les gars. Alors, c'est quoi ma prophétie? Le combat perpétuel? Mourir dans les décombres? Devenir une vraie araignée avec une patte? Avec le reste des indignes. Quoi, c'est tout? Oh, d'accord. Est-ce qu'un autre a entendu ça? Ah! Putain, mais ça s'arrête jamais quand même! On peut parler de ça! Est-ce que tout le monde va bien? À part ce que j'ai assommé, hein, bien évidemment. Rien ne peut arrêter la police. Ok, ça c'est mort. C'est qui au juste? C'est méchant, pleine concentration. Nous sommes les seuls à être dignes de survivre à ce qui se prépare. Rassez-le avant que la police débarque. Je suis prêt à parier que l'immeuble se sera déjà effondré d'ici là. Ok. Épurité le monde. Aïe. Allez, ça c'est un finish exceptionnel. Le mec il a quand même pu passer entre mes jambes. Et ça n'a pas de prix. La flamme,
est éternel. Merci. On peut discuter ? Te voilà. Hé ! Vous n'avez jamais aimé que je fume. Yuri ? Les voyous m'appellent Spectre. Ça me va plutôt pas mal. J'ai essayé de... Ah ! Vous étiez où ? Le vieil ami. Et eux alors ? Ils ont fait un choix. Oh ? Je vais me débrouiller tout seul ? Comme quoi, rien n'est impossible. Eh bien ? Apparemment, Yuri est parti. Je disais qu'il lui faudrait du temps après tout ce qui s'est passé avec Amored. Mais, à la voir avec ce costume. Et un nom comme Spectre. Je devrais garder un œil sur elle. Et l'autre sur la secte. Ah, j'ai pas assez d'yeux en fait. Terminer toutes les missions, la flamme pour débloquer une tenue personnalisée. Ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a aussi là, pas si loin. On a bien une petite mission qui doit traîner là, non. On a notre quête principale, mais bon, ça fait peut-être un peu tard dans l'épisode pour la lancer. Tiens, on a un petit spot photo. Et on va y aller. C'est pas l'histoire du criminel qui devient gentil après son séjour en prison ? Moi non plus ! Et c'est pourtant la pilule que Quentin Beck essaie de nous faire avaler. Après avoir multiplié les crimes, qui pourrait oublier la fois où il a dérobé plusieurs millions de dollars de diamants ? Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est pourtant pas la quête principale. Je l'ai. C'est la fille de mon meilleur ami qui a fait ça. Je me rappelle qu'elle m'avait montré l'esquisse avant de réaliser la fresque. Ok. New York n'est rien sans ses habitants. Très bien, bah écoutez, on va y aller au calme. Ah, c'est stylé à ce que je suis en train de produire là, non ? Ah ouais, mais il y a ça. Les pierres d'abord. Allez, yo les gars ! Ok. Tiens, une balle de basket. Merci d'être venu à cette présentation. Un banc, une autre balle de basket. Et ben voilà. Ces affrontements dispensables. Bon, ça c'est stylé. Ok, toi bien par ici. Allez. Montage en l'air parce que faut savoir innover les gars, hein, c'est normal. Ici c'est plaisir d'offrir avant tout, tu connais. Hein. Personne. Allez, hop, brisé. À moins de cristal de sable cette fois. Je me réveille dans une espèce de donjon. Il y a plein de cibles. Tu n'es pas là. Est-ce que seulement tu vas bien ? Marco était complètement impuissant. Pris au piège. Sans savoir où se trouvait sa fille. Salut, Yuri. J'ai localisé les adeptes de la flamme dans une clinique désaffectée de Jagger. À deux, on peut retrouver leur chef. Pour les laisser mourir, eux aussi. Allez, il y a un petit cream. Pas si j'ai le choix. On va finir là-dessus, écoutez, les amis. Quelqu'un doit arrêter ce cul. On va essayer de le faire. Ça sera plus facile si vous venez. Ça pourrait être pas mal. Mais je n'ai pas besoin de vous. Si j'y allais, je garderais un œil sur elle. Ça va être dur la discrétion, étant donné que là, ils sont littéralement en pleine ville. On va gagner. Allez, toi tu dégages. Et toi tu dégages. Superbe. Qu'est-ce qui se passe d'autre ? Ah, ça c'était évident. Super. Un classique. Je me demandais si on pouvait dans le milieu. Allez, ça c'est beau. Ça c'est beau. Évite. Aïe.
Ok. C'est vrai que je pars pas assez en vrai. Hein. Moi je fais plus l'esquive du rond, tu vois. Flèche envoyée. Fais attention. Ah, récupère. Allez, ça dégage. Et ben voilà. Ah, bah frère, mais qu'est-ce que tu fous là? Lui il est mort. Oh le pauvre, il est mort, il s'est brisé la colonne vertébrale. On va vous laisser comme ça en carré, monsieur. Allez, on y va. On va le déposer celui-ci à l'hôpital et on va pouvoir s'arrêter là. Encore un très bel épisode. Vous l'aurez compris. On commence à déverrouiller en plus les TP rapides. Donc ça, ça fait plaisir. Enfin, je crois. Le jeu est tellement beau par contre, vraiment c'est affolant. Hein. C'est affolant. Hein. On voit vraiment la différence comparé à l'ancien, évidemment. Vous êtes super. Le premier est sorti il y a combien? Il y a 4 ans maintenant. C'était en même temps que God of War 1er du nom d'ailleurs, il me semble. Donc, parce que j'avais les deux let's play en même temps. Ouais, je dirais il y a 4-5 ans hein, déjà. Ça va super vite. Ok. Allez, go. Let's go. Et voilà, je vous laisse entre des mains expertes. T'es un véritable héros. Merci. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu, évidemment. Moi, je vous fais de gros bisous. Et on fera ça la prochaine fois au niveau supérieur. Encore un point de compétence. On aura de quoi faire lors du prochain épisode. Bye bye.